Donc, si vous voulez aussi maintenant comprendre, maintenant, une femme qui est dans le verbe, une femme qui accepte le verbe de l'Oba, même si elle a ses règles, quand elle a ses règles, elle a ses périodes, elle n'est pas contaminée spirituellement. Donc, en gros, quand il dit contaminée spirituellement, elle n'est pas souillée. Une femme qui n'a pas le verbe de l'Oba, qui n'accepte, qui ne marche pas sur le verbe de l'Oba, elle est contaminée. Donc, une femme qui marche selon le verbe de l'Oba, elle n'est pas contaminée spirituellement. Donc, elle n'est pas souillée, elle n'est pas impure. Si elle touche quelque chose pendant sa contamination, pendant sa période, la chose n'est pas impure. Si elle s'assoit quelque part, l'endroit n'est pas impur. Parce que c'est le verbe maintenant qui est en elle, qui protège. Ça devient comme la femme qui avait l'hémorragie, qui a touché Dieu qui s'appelle. Mais, malgré ça, la femme, même si elle est dans le verbe et qu'elle a ses périodes, elle ne doit tout, elle ne doit, même pendant cette période, même si elle a le verbe, elle ne doit pas s'approcher de son mari pour avoir des rapports sexuels. Parce qu'en faisant ça, ils sont contaminés. Parce qu'ils désobéissent au verbe. C'est pour ça qu'il faut attendre quand une femme, elle a cette période et que ça finit, il faut attendre au moins une semaine pour que ça soit bien nettoyé, bien propre, la sauce puisse, voilà, que un autre liquide connu puisse nettoyer cet endroit-là. C'est ça. Voilà comment ça se passe. Il faut nettoyer cet endroit. Mais une femme, je dis bien une femme qui marche selon le verbe de l'Oba, une femme qui accepte le verbe de l'Oba, qui marche selon le verbe de l'Oba, qui applique, elle, quand elle a ses périodes, quand elle a ses règles, elle n'est pas contaminée. Bon, elle n'est pas souillée, si vous voulez. Elle n'est pas souillée. Mais néanmoins, elle ne doit pas avoir des rapports sexuels avec son mari, même si son mari met le préservatif. En mettant même le préservatif, vous souillez, vous êtes contaminé. C'est ça la condition. Maintenant, vous pouvez me dire, mais une femme qui accepte le verbe de l'Oba, pourquoi aussi une femme qui marche sur le verbe de l'Oba? Mais ça, normalement, elle ne doit plus être en règle. Et elle ne doit plus avoir des règles, vu que mais le verbe de l'Oba est là pour bloquer ça, pour faire en sorte qu'elle peut arriver à la période, mais sans que le sang ne soit. Non. Mais dans ce cas, ceux qui acceptent le verbe de l'Oba ne doivent plus aussi mourir physiquement. Non, la faute est entrée dans le corps. Quand il dit le corps a participé aussi à ça. C'est le cycle, c'est comme ça. Puisque mon tati avait dit ça. Je ferai paraître des obstacles physiques. On parle de tout ça. Maintenant, les sirènes des eaux maintenant vont passer par autre mécanisme connu de nous pendant la période de ces femmes pour mieux les contaminer. Parce qu'il y a des femmes, bon, les femmes qui ne marchent pas, une grande partie qui ne marchent pas sur le verre. Elles font n'importe quoi. Elles sont facilement contaminables. Elles sont contaminées. Une femme, vous allez avoir... Quelqu'un va avoir des rapports sexuels avec une femme. Elle ne connaît même pas son corps. Elle ne connaît même pas ses cycles, tout, tout, tout. Après, elle dit, ah, je suis enceinte. Ah, je suis enceinte. Vous voyez? Parce que ce sont des attardés mentaux. Elles ne connaissent même pas le cycle de leur corps, elles ne savent rien. Parce qu'elles sont contaminées déjà. À faire du sexe n'importe comment. Avoir des rapports sexuels en désordre. Donc voilà. Les femmes qui ont les règles. Les femmes ont les règles. C'est-à-dire les pètes de sang, tout ça là. C'est parce que Mouto a fauté. Donc, c'est son âme qui a châté, qu'on a châté son âme, et l'âme, dans le physique, va représenter le sang.
Et les femmes aussi doivent porter ce châtiment-là. Elles portent ce châtiment. C'est pour ça qu'elles ont aussi les règles. Et ça fait mal. La plupart, d'autres, ça fait très très mal. Donc c'est là pour représenter la faute de la première femme. Les règles. Je suis enfanté dans la douleur.